qu'on va atterrir où là? À Fès. À Fès? T'as eu peur au décollage? Non. Non? Et toi, ça va? Non, c'est trop bien, ouais. Voilà. Ouais, un petit scoop pour Muriel. Pour Muriel. Ouais. Bon, Axel, on est où là? On est à la forêt des singes. Ouais, vas-y, essaye de le caresser. Ouais, ouais, essaye, essaye. C'est drôle. Il y a 30 ans, il était encore vivant. Donc il avait 800 ans. Et en 30 ans de tourisme, juste d'avoir tout piétiné. Voilà. Tout piétiné, l'eau ne reste plus. Et l'arbre est mort. Quoi? C'est du gypse, c'est pour faire. Quand on le réchauffe, ça, il se passe quoi là? Quand on le réchauffe, ça fait du plâtre. Ouais. Il fond et ça fait du plâtre. Ouais, ouais. Alors les gars, on est où là? La vallée rouge. Pourquoi c'est jaune alors? Alors la progression, ça se passe comment? Progression, c'est-à-dire ouais. Ça se passe bien? Ah, ouais. Le chemin, il est comment? Il est facile? Bah, non, pas forcément. Moi, je trouve que c'est bien là où on est monté dans la falaise, là où il y avait tous les cailloux. Enfin, j'aime bien quand il y a un peu de danger, c'est plus fun. On est d'accord. Un peu d'adrénaline. Ouais. Et ça va, pas trop fatigué? Non, ça va être bien là.
صحابة زعرات وناس بيتي جادي صغير وحليم خياري أيوب عثمان وإسماعيل ناس المغرب وجنرال وإيلو إناس صغيرة وناس تبسان قرا قرانا وزيد تعلم وإلى نهيت غادي تندم ما تلقى قريب وأنا عم قرا وزيد تعلم وإلى نهيت غادي تندم ما تلقى قريب وأنا عم بسم الله. En fait, c'est pas comme chez nous. Hein. Vous êtes dans une autre civilisation. Oui. C'est pas la même civilisation chez nous, si vous m'expliquerez. On est pareil, à peu près. Et on a des manières de penser, des manières de parler, qui sont très, très, très différentes. Alors, toutes les formules précises sont des formules religieuses. En fait. Par exemple, un grand merci, c'est Barak al-Hawfik. Ça veut dire Barak al-Hawfik. C'est ça? Il y a toujours Allah. Dans Bismillah, c'est l'abréviation, il y avait Allah. Donc, dans le Coran, il y a les formules de politesse. Hein, je parle sous sa surveillance. Hein. Alors que nous, c'est pas pareil. Merci, c'est pas religieux. عاطي ربي وين عطاك ربي ما يدعلك حدا طلعني بوش مين بيان نومي سي فري عاطي ربي سي كو كون ربي سحب والدي كون ربي وين كسب عاطي ربي وين عطاك ربي ما يدعلك حدا. Alors Guillaume, cette première nuit, comment ça s'est passé? Ça va, il faisait froid. Ouais. Il faisait froid, mais c'est bon, on a réussi à s'endormir après quelques temps parce qu'au début on était un petit peu excité, normal. Et après, bon, dans la nuit on s'est réveillé plusieurs fois. À cause de quoi? Avec le froid. Bah, le froid déjà, et puis certaines personnes qui voulaient aller aux toilettes, qui sont pas très discrètes. Hein. Donc du coup, ça réveille un peu plus mal, on s'endort vite. Et les toilettes alors, c'est comment ici? Ça va, ça peut être trop compliqué? J'ai pas fait la course encore comme ça. J'ai pas trop envie d'essayer. Ah ouais? Va falloir quand même. Peut-être qu'il y en a dans les bistrots, des normales, je sais pas. D'accord. Ouais. Et puis, c'est un peu. C'est la première fois. Donc, ouais. Voilà. Et là, les gens, comment ils nous accueillent? Comment tu te sens là? Je me sens comme un roi. Vous faites quoi les gars là? Bah là, on essaie. Mais je suis déjà trop propre. Alors c'est quoi le principe du hammam là? C'est enlever la crasse. Enlever la crasse. Et frotter comme Jaja, puis voilà. Voilà. Dedans. We'll be right back.
Il dit qu'il n'a jamais vu ça, quoi, en fait. Il avait eu des jeunes comme ça, qui en veulent, qui... Quand il faisait comme ça, ça avait... Oui, blessé là, le travail, la terre est tombée. Ça, c'est merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est bien. Ce français n'est pas venu banalement comme ça, madame. Verbe, sujet, complément, objet direct. La pédagogie, la psychologie des enfants, madame. Ah, là, Jean-Jacques Rousseau, Albert Camus, La Fontaine. Nous, on parle bien la langue parce qu'ici, chez nous, on a étudié bien la littérature française avant. C'est le vrai Maroc, parce qu'il est le rifien, vidéo. Le nomade, les berbères du sud du Touareg. Le tatouage que vous voyez, c'était un passeport pour les berbères ou nomades. Chaque famille berbère avait un petit tatouage sur le front. Et tout ce qu'il y a de plus beau chez nous ici, c'est la montagne. Azrou, ça veut dire rocher à côté. Parce qu'ici, il y a beaucoup de neige. Le dernier des lions de l'Atlas était ici après en 1948. Il y avait même des panthères avant dans l'histoire. Le vaisseau de Goro, à 16 km d'ici, était bien monté par un monsieur qui s'appelle Goro. Alors là, il est mort, il a perdu la racine. Alors il s'est devenu un grand circuit touristique avec les cavaliers et beaucoup de gens qui vont là-bas les minéraux. Par contre, l'Ifrance, ça veut dire les grottes, stations de ski, et beaucoup de gens bourgeois pour skier. Vous savez, le palais du roi là-bas, c'est bien pour voir et connaître le vrai Maroc, le Maroc profond dans les montagnes. Bonjour Anne, alors on est où là? On est au marché, au mouton. Ouais. Tu trouves ça comment là? Bizarre. Bizarre dans quel sens? Spécial, ouais. Enfin, toi, comment ils prennent les moutons et tout. Et toi, tu te sens comment là, personnellement? Mal à l'aise. Ouais. C'est pas du tout pareil qu'en France. Ouais, ouais. C'est clair. Ah, c'est bon.
هما بقاو يقولوا مورا وانتوما بقاو تقولوا مورا مورا مالك اري يا تحتي ارا حكي الله بيا لهم هما يقولوا اكولاتير ايفل اكولاتير ايفل غري ان فوالا هو غري ان فوالا هو اكولاتير ايفل Axel ? Ouais, moi ce qui m'a choqué c'est surtout le niveau de langue qu'elles avaient. Elles connaissent aussi bien le français que l'anglais. Et après ce qui m'a touché c'est que quand on a fait le jeu et que c'était un peu de ma gueule, ça fait... je savais pas trop, j'avais pas l'inspiration. Ça c'était bien et puis j'étais étonné le nombre de langues que la fille qui était en face de moi, elle parlait 5-6 langues. Elle parlait l'arabe, le berbère, le français, l'anglais, le turc et je crois un petit peu d'allemand. Oh putain, c'est là où. c'est là où tu dis qu'en France, bah, les langues étrangères c'est un peu de côté quoi, je trouve. Enfin, c'est pas autant mis en avant que dans les pays plus pauvres ou autres quand j'étais. Bon, ça c'est une année. Ok. Ouais, l'intelligence et le savoir des filles m'a beaucoup surpris. Elles parlent beaucoup de langues. Tu le savais pas, hein? Non, tu savais pas que les filles étaient intelligentes, c'est ça qu'elle veut dire, madame. Non, non. J'aurais réussi à appeler mes prénoms sans faute. Moi, je pouvais pas le sien. Ah, je croyais que tu pouvais pas le tien. Ah, le mien, non plus. Baptiste? Moi, j'étais juste choqué. Il parlait mieux que moi en fait. Alors François, Mehdi va t'expliquer comment il va battre ce petit cèdre. Alors vas-y, explique à monsieur Tisseur. Je vais faire une coupe en mortaise avec la 880 par moitié. Voilà. Vas-y, montre-nous. On va arriver là comme ça. Petit en taille. Hop là, après, je continue l'entaille de l'autre côté, pareil, tac, pareil, comme ça, après je rentre le guide, à fond, je gratte un peu, je laisse un pied derrière,
bien sûr en faisant un bon épaulement. Voilà. Pareil, et là je continue, et puis après au coin. Et puis après on coupe le pied. Puis... Il craque par où là? Hein? Il craque par où? Inch'Allah là-bas. Inch'Allah là-bas. Ça, Baptiste là. Comment on désherbe? Avec la binette ça? Avec la binette? Ouais, sous chaque binette.